Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui, le cadre est un peu différent d'habitude, la vidéo, enfin le... Je suis un peu différent d'habitude. C'est juste une petite intro vite fait pour vous expliquer un peu ce qui va se passer durant cette vidéo. Cette vidéo sera une petite vidéo où vous allez me suivre un peu dans mon quotidien pendant quelques jours, voire une semaine, ou peut-être juste 5-4 heures en fait. En tout cas, ce sera une vidéo où vous allez me suivre un peu à l'hôpital, s'il y a cours à l'école, etc. Voir un peu comment ça se passe ici. Il faut savoir que moi, je suis en 6e année. Donc, moi, je serai à l'hôpital, je serai en stage, etc. Je vais essayer de voir aussi avec Gloria. Elle aussi, elle va essayer de vous filmer son quotidien. Et bon, c'est tout. Bisous! Cette semaine, moi je suis au bloc, donc là je vais me rendre au bloc et voir s'il y a des interventions prévues, tout ça. Que ça soit dans le domaine économique, ils sont là. Ils sont partout. J'étais au bloc tout de suite, donc j'ai pas pu vous amener avec moi au bloc. Et puis là j'ai mis mon coffre, la jaune changée et après rentrer chez moi. Il est 13h30. On vient de finir avec l'intervention. Moi je vais rentrer. Je dois rentrer depuis midi. Hein. Je vais aller prendre les affaires. Et on ira à la maison. Bon les gars, je suis déjà rentrée à la maison. Là, je suis dans la chambre de Gloria. Gloria. Voilà, je suis rentrée. J'avais très, 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 très faim. Donc, j'ai mangé. J'ai déjà mangé. J'ai pas filmé ce que j'ai mangé. C'était rien d'extraordinaire d'ailleurs, donc c'est même pas la peine. Donc, j'ai déjà déjeuné. Je vais faire un peu chier Gloria. Et ensuite... Dites-lui de sortir de ma chambre, s'il vous plaît. Et ensuite, j'irai dans ma chambre. Merci. Coucou, mes gars. Que je vous explique encore quoi. Je me suis endormie, genre vraiment, j'ai dormi depuis 15h, 18h. Ouais, 18h. 18h, donc j'ai vraiment dormi. J'étais très fatiguée. Je pense vraiment que la matinée a été plus fatigante que ce que je pensais. Je me suis réveillée il n'y a pas très longtemps. D'où un peu ma tête. Là, je dois. Un colis, j'ai une amie qui va envoyer et le livreur récupérer un colis et je vais essayer de faire quelque chose. J'ai rien l'intention d'aller à la salle, mais j'ai la flemme. Mais je vais essayer parce que j'ai décidé de me relancer, de reprendre la salle. Donc, en temps normal, cette semaine, on doit aller à la salle. En temps normal, j'ai pas dit c'est obligatoire. Et c'est un temps normal, donc on ira à la salle. Je vais encore un peu m'allonger parce que j'ai encore une tête de fatiguée. Après, on ira à la salle. C'est un peu ça. Je vais aller parce que je suis en retard. Hi. Tu allumes? Toi, tu peux allumer, c'est bon. Coucou, je suis déjà rentrée, je suis rentrée depuis un petit moment. J'ai eu quelques petits soucis, mais bon, je suis rentrée déjà. Bon, là, je vais faire quoi? Aujourd'hui, c'est vraiment... Bon, déjà, j'ai la flemme, donc je vais regarder un truc. Je vais essayer de monter déjà la première partie. Genre, vraiment, je veux essayer de monter au fur et à mesure, histoire de ne pas avoir trop de rush. Donc, après ça, je vais me mettre sur mon lit, mettre en film. Et commencer à monter un tout petit peu les vidéos, essayer de couper les parties à couper, etc. 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 Et c'est tout. Bon, bisous. Il est 3h du matin, j'arrive toujours pas à dormir.
Coucou les gars. Je suis venue un peu en retard à l'hôpital. Donc j'ai pas pu me filmer en fait. Je suis réveillée très en retard. Je me suis levée, je me suis apprêtée. Je suis sur le toit de l'hôpital parce que je suis venue prendre un truc à manger avant que les interventions ne commencent et que je ne puisse pas tenir debout. Hey, go. Yo. Les gars, je suis rentrée depuis un petit moment. Hein. Finalement, on n'a pas fait grand chose à l'hôpital. On avait une formation avec une ONG, donc on n'a pas fait grand chose aujourd'hui. Je suis rentrée depuis un petit moment. J'étais couchée là, à regarder Ariel, tout ça, sur Instagram. Donc aujourd'hui, il n'y a pas eu grand chose. Là, je suis rentrée, j'ai pas encore déjeuné parce que on a pris quelques petits trucs pendant la formation, donc j'ai pas encore faim, genre, comme ça. Donc je vais regarder Alvin et les Chipmunks ou un truc vite fait, genre, histoire de me détendre un tout petit peu. Et peut-être en même temps j'aurai faim, je vais manger. Finalement, j'irai pas à la salle ce soir. Parce qu'en vrai, je suis allée 3 fois par semaine, mais ce soir on devait partir, mais. Ma pote avec qui je dois y aller à un truc de rêve, donc on ira demain. Et encore. Bon, pour le moment, j'ai pas de programme. Hein. Tout ce que j'ai à faire. Si vraiment l'envie me vient de faire la liste de mes cours, je ferai une petite liste des cours. Peut-être même quand je vais commencer les fiches ici. Parce qu'en vrai, je veux même pas trop de la pression. Parce que de toute façon, quand le moment va venir, je vais mettre la pression. Je vais bosser comme je dois bosser en fait. C'est comme ça que je travaille. Et comme j'ai dit, vous aurez peut-être une vidéo de comment je m'organise pendant des périodes d'examen et tout ça. Là, peut-être ça sera plus intéressant. Mais sinon, pour le moment, il n'y a pas grand-chose. Vraiment, au niveau cours, etc., il n'y a pas grand-chose. Je peux faire dans quelques petites recherches sur une pathologie ou sur autre chose, mais vraiment, aller bosser des cours et tout. Vous n'allez pas en voir dans ce vlog. C'est pas sûr. Bon, les gars. Là, on est dans mon vlog. Dans ma journée. Bref, dans notre journée. On a une vidéo à filmer demain. Une vidéo assez spéciale. Oui, en fait, c'est dans notre routine de vidéo à filmer là. On a décidé de faire une vidéo en mode entrepreneuriat quoi. On a invité quelques entrepreneurs de la place. Bref, donc ils seront là et puis on va filmer tous ensemble dans la joie et la gaieté. La gaieté, on est déçus. Donc voilà, on essaye de préparer la vidéo. Tiens. Mise en place. Donc Ramon. Oui, c'est la sécurité de la On l'a dit, on va faire des takes. On va faire des nations avec moi. Mais est-ce qu'il y a le tout sur la zone? Je vais bosser. Cake. Cake, mais cake seulement. Je pense que c'est cake nature, ma brouille, chocolat. Regarde, on a de cacao là encore, etc. Cake, mais jus. Jus là, ça va pas faire une sape. Il y a du sucre là. Ok, bon les gars. Coucou. Au revoir les amis. On est en train de On a fini notre mise en place pour demain. On est content. Tant. Et là, on va voir un de nos amis. Oui, et la personne qui crie, c'est Immaculée. Donc, on va voir un de nos amis. Après, on verra bien. Ouais. Sachez qu'elle ne sont pas les seules habitantes de la maison. Ouais. On a deux habitantes en plus. Attendez, je vais vous les présenter tant qu'on y est. Les gars, elles sont très. Il fait froid, pardon. Il fait froid. Il y a Marnis. Tu l'as sorti plusieurs fois, rien de ce côté.
Pourquoi je suis jeune comme ça? Vous savez, en général, je suis pas jeune comme ça, mais je sais que je suis de l'or, donc habituée. C'est ce que c'est que tu as dit. Il y a Immaculée, mademoiselle, je crie. Fais que crier de cette maison. C'est elle qui a oublié d'acheter mon pain là. Quel pain? Pourquoi je suis rentrée à minuit d'abord? Tu vas te dire. Le problème est ton affaire de pain. Bon, on y va. Bye. Hier, on est rentré un peu tard. On n'a même pas pris le temps de filmer. Donc là, je viens de me réveiller, toujours un peu en retard, mais c'est pas grave. Je vais prendre ma douche et Ouais, c'est tout. Et m'apprêter à partir. J'étais encore au bloc. Je viens de sortir du bloc. J'arrive jamais à filmer au bloc parce que bon, je trouve que c'est pas très. Les gens le font, hein. Il y en a qui filment, mais moi, j'aime pas. Donc, ouais. Là, je suis à la maison, je suis rentrée depuis un petit moment. Je devais faire un cake pour le truc de ce soir. Donc, je viens de finir le chef, je viens de faire le cake. Je vais le découper en morceaux. C'est quoi ça? J'étais là en plein truc avec le professeur. Ils ont commencé à appeler. Ils ont monté une question sur Google. Tu sais, c'est qu'ils disent comme ça. Ils ont appelé jusqu'à. Pourtant, j'avais décroché. Bon, d'ailleurs, c'est ça. J'ai fait un truc vite fait, vraiment. Il n'y a pas de recette pour ça. C'est vraiment vite fait, mais c'est tellement moelleux. Alors, vraiment, ce qu'on appelle gâteau de diabétique, parce qu'il n'y a tellement pas de sucre dedans. Il n'y a clairement pas de sucre. Il n'y a pas beaucoup de sucre. J'aime pas trop le sucre, il n'y en avait pas beaucoup de toute façon. Donc peut-être, je vais soit j'en badigeonner de sucre, soit si il pleut, rentrer avec du sucre glace. Ceux qui veulent avec du sucre, on prend avec du sucre. Non. Ta caméra là, c'est inclinée. On a fini de filmer la vidéo. Nous sommes contentes de la journée. N'est-ce pas, Gloria? On est contentes. C'est pour ça que j'arrive mon téléphone. Donc, les gars, ce vlog est un peu bourbier, je suis désolée. Mais vraiment, on n'est pas. Hein, on n'a pas le profil des vlogueuses. Hein. Oh, sorry. Inch'Allah. Ça va venir. Je pense que pendant les congés, on va faire un. Coucou! Bon, là, je vais à la salle. C'est malade, je vais. T'es malade. Attends, je vais vous montrer celle qui parle de sa dégaine. Je vais vous montrer la dégaine. La dégaine en question. Bon, j'y vais. Ta tête quelque part, c'est quand même petit. Sept minutes de regard. Thank you.
Je suis rentrée de la salle, mais je ne pouvais pas filmer. Genre, je me sentais pas bien. Je me sentais vraiment pas bien. Déjà, j'avais même un peu mal à la tête avant de partir. À la fin, j'étais éclatée au sol, maux de tête, tout. Et puis, j'avais un peu vertige et tout. Donc, bref, je suis rentrée depuis. Hein. Là, c'est après tout ce qui s'est passé après. Là. Je me suis reposée, j'ai pris ma douche, etc. Bref, là je suis couchée. Enfin, je suis couchée. Je vais traîner un peu sur les réseaux. Et je vais dormir. Voilà tout. Coucou. Ça va, vous? Je me réveille. Je vais aller prendre ma douche. Après, t'es allé à l'hôpital. Bye. Bon, hier je suis rentrée, j'avais faim, donc en train de manger du couscous à la maison. C'est tout. Bye. Bon appétit. Bon les gars, je ne fais toujours rien. Je pense que vous en avez un peu, marre au long de la vidéo, en France tout au long de la vidéo. Moi quand je rentre des stages, je suis fatiguée. Voilà. J'ai pas de programme. De toute façon, j'ai jamais de programme. Je pense que là, vous l'avez compris. Hein. Vous l'avez compris depuis le début. Mais la semaine ressemble à ça, vraiment. Ça, j'ai même pas fait semblant. Le truc, c'est que j'ai même pas essayé. C'est que j'avais fait un peu d'effort de faire des activités, de trouver des trucs à faire, même de m'asseoir devant mon ordinateur et bosser. Vous aurez encore pu avoir genre un minimum de contenu. Mais j'ai vraiment pas fait d'effort. J'ai vraiment pas dit aucun effort personnel là. J'ai fait aucun effort. Donc ouais, Malou. Là, vous avez encore le spot de la vidéo d'hier. Je sais pas encore débarrassé. Vraiment. Bref, c'est ça. Je regarde des vidéos. Je réfléchis. Je réfléchis beaucoup, je sais pas grand chose, mais je réfléchis vraiment beaucoup. Là, je regarde des vidéos, je réfléchis à des trucs, des problèmes, etc. Donc, je vais encore vous laisser aller. On va encore se coucher. On va encore rester couché un tout petit peu. Si jamais j'ai un truc à faire aujourd'hui, je ne suis pas encore sûre, là, il y a ça aujourd'hui. Donc, je sais pas trop ce que je vais bien pouvoir faire. J'en sais trop rien. Je sais pas trop. Mais franchement, ce week-end, je vais essayer minimum. Vendredi soir, il y a la soirée karaoké. C'est un truc organisé par des étudiants. Donc, je vais y aller. J'en profite et aller. Depuis que ça a commencé, je voulais aller au début. J'ai pas eu le temps. Donc, ouais, peut-être que je vais y aller. Aller voir un peu comment les étudiants. Pardon. Ici à Chest. Donc voilà. Samedi, j'ai un truc de prévu. Enfin, un truc de réunion de prévu, vite fait. Je me sens pas bien. J'ai dormi, je me suis réveillée, j'ai pris des méthodes, tout ça. Mais ça va toujours pas. Donc, déjà que j'avais rien à faire, là c'est encore pire parce que je ne peux rien faire. J'ai une tête de mort. Oh. Donc, voilà. Bye. Coucou les gars, j'espère que vous allez bien.
Là, je suis réveillée depuis un petit moment. Là, je vais prendre ma douche. Ensuite, on ira en stage. Voilà. Comme si quelque chose avait changé. Bon, là, je suis dans une autre chambre, je suis dans la chambre de l'Immaculée. Ne vous demandez pas pourquoi. Bon. C'est ce que je dis, ça. Là, je me suis fait un petit masque avant de me laver. Je vais me laver et puis après nettoyer. Mais vous, quand on voit en clair, il y a deux choses. Il dit tout bas. Il y a deux choses. Voilà, tu vois. Qui narre là, on a tout bas là. Le Sénégalais donne le nom à Oublanc. Il dit tout bas. Oui, mais ça. Mais là, le narre, il dit. Le mot là, il dit narre. Le Suisse, il dit. Et si t'es non là, tu commences à dire ah bon, il m'insulte. Le nia, littéralement, c'est une ville qui est au Sénégal. Mais dans la communauté, encore, voilà, moi quoi. Les nards, je n'ai jamais su, si cet ami-là ne m'a pas expliqué, wow. Je n'aurais jamais su que les nards n'aient pas son nom. Moi aussi, hein. Moi, j'ai pensé que c'est un nom comme ça, simple. J'appelle les Arpinal. Mais Jésus m'a dit ça, j'ai compris. Bon, maintenant il faut employer le mot français. Il ne faut pas employer le mot Olof. Parce que le mot Olof, c'est Nar. Le mot français, c'est. Où vous avez votre mot pour les Noirs, non? Certainement. Oui. Je pense que. Les gens n'utilisent pas ça. Mais il y en a. T'es sûr? Même si les gens le disent. T'es sûr? Parce que même chez. Les gens n'utilisent pas ça. C'est pas que chez vous, ils ont un nom. Comme si ils mènent à un animal ou à quelque chose. Là. Exactement, c'est là, ça qui là est insultant. Bien sûr. C'est ça qui est insultant. Mais donner, dire la couleur de ma peau, ça ne me dérange pas. Parce que c'est pas ça, je suis comme ça. Mais quand tu dis maintenant, voilà, il est comme ça, il est noir comme ça, tu m'identifies à quelque chose là. Ça, c'est ça qui est insultant. Dire aux noirs que ce sont des singes. Ça, c'est insulté. C'est ça, insulté. Mais quand on te dit que tu es blanc, tu es blanc. Il n'y a pas de problème. Bon, si les noirs aident de fatiguer avec ça, ils seront à l'aise. Maintenant, quand on t'insulte, on t'identifie à un animal, mais là, on te réduit. Ça, c'est inacceptable. Ou bien quelqu'un vient te dire que voilà, vous les noirs là, vous êtes bêtes. Là, c'est insultant. Tiens, qui t'as insulté. Là, tu peux te défendre. Et devant Dieu-même, tu as raison. Hein? Bon, les gars, on a une césarienne. Donc là, je me suis apprêtée pour aller au bloc. Avant ça, on est allé d'abord recevoir des attestations pour notre formation avec Mercy Chips. Donc là, je. Coucou, les gars, je suis rentrée depuis un petit moment. Oui, je suis rentrée, j'ai déjeuné. Là, je suis déjà habillée parce que je ressors, mais j'ai déjeuné. J'ai regardé, je pense qu'on aurait le voice, genre les replays de The Voice. J'avais un peu mal au ventre, donc quand je suis rentrée, j'étais pas très bien. Donc, forcément, je vais le filmer. J'ai déjeuné. Là, je vais partir. Je vais partir chez une amie parce que je dois lui faire des tresses. Voilà, c'est une des réalités ici, hein. Ici, entre étudiants, des petites tresses et tout comme ça. Ensemble. Moi, je tresse pas, genre en mode. Genre, je tresse pas, c'est pas un petit job.
Non, mais genre, si je peux aider tes amis, je le fais. Bon, 5 heures plus tard, enfin 5 heures, pas 5 heures complet, hein, genre 4 heures avec bavardage, plus. Bref, c'est un peu ça. Franchement, je suis fière. Vraiment, pour une première. Dis que tu es fière de moi. Oh. Je suis fière. Bon, les gars, c'est tout ce que j'avais de ma journée. Bye bye. Coucou, les gars. J'espère que vous allez bien. Là, on est samedi, genre, on est samedi matin. J'ai un masque sur le visage, donc c'est pour ça que j'ai un peu de visage. Là, si vous entendez un bruit, c'est le cours, c'est mon cours de d'urgence. Donc, aujourd'hui, c'est la journée flemme. Aujourd'hui, je vais flemmarder, je me chie. J'ai enlevé le vernis de maison, j'ai fait un gommage, etc. J'ai envie de me reposer. Donc c'est un peu ce que je vais faire, je vais rester là à écouter le coup d'une oreille. Et après je vais aller au marché, faire des courses. Et préparer, le soir je vais préparer aussi, donc c'est un peu ça. Hein. Donc aujourd'hui vraiment sera encore pire que la semaine, il n'y aura pratiquement rien à faire. Voilà. Pellicule de la Hesse. De la. Mais ta sœur. Ah, mais vite, allez, vas-y. T'as brûlé. Elle est où? Elle s'est maillée. Elle est là, détoxée. C'est qui? C'est très chaud. Allez. Je suis à contre-lumière. Allez, il me le donne, il vient avec. La matinée, j'ai fait mardi. Ensuite, je suis allée au marché. Je suis allée au marché faire des courses parce que je devais faire un repas pour demain. Donc, ensuite, je suis allée au supermarché. Je suis rentrée, j'ai mangé. J'ai pas pu filmer. J'ai pas pu filmer. Mais non, là, je suis en train de découper mes légumes pour mon repas de demain. Donc, je pense qu'il ne va rien se passer aujourd'hui. Hein. Là, pendant ce temps, je regarde des vidéos, je regarde tout ça. Mais je ne fais rien d'extra, en fait. Désolée. Donc, je devais aller à une. Enfin, hier, je devais aller à la soirée karaoké. Ça ne s'est pas fait. Aujourd'hui, on m'a dit qu'ils organisaient une soirée kizomba. Donc, je me suis dit, ouais, pourquoi pas. Sauf qu'entre le supermarché, le marché, rentrer, oublier un truc, repartir au supermarché, acheter. C'est bon, je suis fatiguée. Ça, c'est un peu les. Ça, c'est moi, hein. Avec le temps, je n'ai plus trop. J'ai plus trop l'habitude de sortir tout le temps, tout ça. Donc. Bref, donc c'est un peu ça. Mon week-end sera comme ça. Demain, je vais. Dans la matinée, je vais faire le repas pour. Comme prévu. Et aller à la réunion pour laquelle je cuisine. Ensuite, je sais pas. Mais genre, il n'y a vraiment pas d'événement en fait, donc le vlog aurait été un mess total. Voilà les gars, je pense que je vais vous laisser un peu. Les gars, il est 6h30 pratiquement. J'ai pas fermé l'œil de la nuit. Ça c'est... Voilà. J'ai pas sommeil, c'est pas que j'avais des trucs à faire, non. C'est juste que j'ai pas eu sommeil, donc j'en ai profité pour faire tout ce que j'avais à faire. Manger un peu la chambre, etc. Donc voilà, c'est tout ce que je tenais à vous dire.
Coucou. Bien. On est dimanche, il est déjà pratiquement 12h, hein, il est 11h je pense. Je me suis réveillée. Finalement, j'ai dormi. Je me suis mise à somnoler un peu vers 7h, je me suis réveillée vers 8h30 par là. Je suis allée acheter l'eau. Oui, j'ai fait à manger. Là, j'ai presque fini. Genre, il me reste juste les brochettes de poulet. Je n'avais pas vraiment le temps de filmer à la cuisine, mais vraiment. Je suis fière de moi. Genre, il est même pas midi que j'ai fini de cuisiner, genre, complètement. Donc, cette journée, vous avez compris le refrain, il n'y aura rien d'intéressant, mais bon. Vlogons. Vous avez vu les cernes. Bon. Voilà, je vais attendre que les brochettes de poulet soient prêtes. Je vais essayer de ranger tout ça, prendre ma douche et partir. Voilà. Du riz créole. Un peu une petite sauce, du piment. Les brochettes de poulet, là, j'ai à filmer, donc je vais pas ouvrir tout de suite. Un peu de poisson. Le tout avant midi. Bon les gars, là je vais y aller avec les repas. Et bon, on se retrouve là-bas. Donc juste un petit haut blanc, j'ai mon jean. Et c'est tout. Est-ce que c'est une information? Déjà, est-ce que c'est... Coucou les gars, bon, je pense qu'il est temps de penser à conclure le vlog, hein. Donc je suis rentrée depuis un moment, parce que je suis partie à 12h30 par là, je suis rentrée, était je pense 15h je dirais, 15h, j'avais très sommeil, comme je vous avais dit hier, j'ai pas pu dormir, et ça m'y oblige, donc quand je suis rentrée, je me suis endormie, je me suis réveillée à 19h. Donc je me suis endormie, je me suis réveillée, j'ai pris ma douche, j'ai mangé. Bref, là c'est bon. Là je vais regarder ma série. Donc voilà, je tenais à conclure le vlog un peu comme ça quand même. Parce que je tourne déjà pour vous remercier de m'avoir suivi jusque-là. Si vous avez suivi jusque-là, peut-être que cette vidéo je le fais en l'air, que personne ne va voir ça. Mais en tout cas, si vous avez suivi jusque-là, merci d'avoir suivi jusque-là. Je sais que c'est pas le vlog le plus... C'est intéressant que vous aurez suivi. En même temps, comme je dis, j'ai dit au début, c'était aussi pour vous montrer un peu que les clichés qu'on a sur les étudiants tout court, c'est pas ça. En général, je trouve que les étudiants, c'est beaucoup la fête, etc. Déjà, moi, je suis allée nulle part. Et aussi, les étudiants en médecine doivent être mobiles tout le temps. Comme moi, je dis, moi, c'était ma semaine. Donc, bref, c'était un peu ça pour vous dire, pour conclure le vlog. Merci d'avoir suivi jusque-là. Abonnez-vous, cliquez, partagez, etc. Et merci. Donc, je pense que je vais m'arrêter là. Ça a été un plaisir pour moi de partager. De partir cette aventure avec vous. Et bon, il est temps de partir. Bon, bisous.